Bonjour tout le monde, c'est Raylus et bienvenue dans ce 6ème épisode de Golden Sun 2, l'âge perdu. J'espère que vous allez bien. La dernière fois, nous avons traversé le désert de Yampi, où nous avons battu un boss qui nous a donné le joyau de fouille, récupéré un djinn, et avons découvert le village d'Alafra, oui, ça se prononce comme ça, où nous devons aider le bateau qui se trouve juste au-dessus de moi, qui est donc légèrement encaissé par la violente secousse du premier épisode. J'avais dit que j'irais à l'ouest, cependant j'ai fait un petit tour en off et il n'y avait rien d'intéressant, pas de djinn, il y avait juste un pont qui était cassé. Voyons, je vais me soigner. Non, je passe une nuit à l'auberge, tiens. 3000 pièces d'or, acheter de l'équipement. Ok, donc là pas de reliques. Une baguette. Non, ça sert à rien. Alors en armes, tout ce qui est cher est évidemment fort. Donc là pour l'instant il n'y a rien. Tout là inutile. Hache inutile. La masse lourde inutile, donc pas d'armes à acheter. Je vends des trucs par contre. L'épée longue qui est normale, je vais la vendre. Le gilet, je vais le vendre. Alors ça, je vais le garder. On sait-on jamais. La HTMIS, je vais la vendre. De toute façon, je suis sûr que je pourrais la racheter. Je peux tout dans Golden Sun, dans le 1, le 2, le 3. Tout ce que vous achetez, vous pouvez... Enfin, tout ce que vous vendez, vous pouvez le racheter. Le fumigène, je vais le vendre. Alors ça... faut qu'on m'explique à quoi ça sert. Là, elle a une épée courte, un chapeau en cuir. Le reste, je le garde. Et elle, elle a rien. Alors, voyons. En armure. Non. J'ai le voyage, c'est ce que je demande. Rampe de voyage. Ah, là, c'est très intéressant. 200 pièces d'or, bah en plus c'est pas cher. Je laisse de fait comme il faut. Bouclier en bois, alors c'est soit bouclier, soit gant. Ou bracelet. Ouais, c'est soit bouclier, soit gant, soit bracelet. Pour Pavel, je vais mettre... Non, pas le bracelet. Je vais mettre des gants sur Pavel. Ensuite, pour... Ok, donc les filles ne peuvent pas utiliser de bouclier. Alors les gants 60-49 et le bracelet 57 est inutile. Je vais mettre des gants sur tout le monde. Ensuite un casque. Casque ou chapeau en cuir. Tiacre, ça remplace le chapeau. Alors attendez, casque pour Pavel, obligé. Le chapeau, ça diminue les défenses de tout le monde. Et le tiacre, oui, c'est bien ce que je pensais. Ah, même pas. Et des bottes de cuivre. Donc là pour tout le monde. Voilà, voilà. Est-ce que je suis bien stuffé comme il faut? Ça m'a l'air bien. Ça m'a l'air bien. Bien. Maintenant que ce problème est réglé, je vais pouvoir aider vite fait les personnes qui sont sur le bateau. À la Alafra orientale. Je vais faire une petite sauvegarde.
je vais prendre un autre slot. Alors, voyons voir. J'irai à l'intérieur plus tard. Alors, ça se déplace. Ah ouais, mais pour le déplacer, faudrait que vous qu'ils en alliez, les mecs. Bon, allons voir vite fait les dégâts. Ok, je peux pas passer. Ah ouais, mais vous m'empêchez de faire tout ce que je veux, les mecs. Ouais, donc vous m'aidez pas. Bon. Finalement, on va aller à l'intérieur. Les jeans. Je vais les mettre en attente. Ouais. Alors, fouillons un petit peu. Y'a rien. Rien du tout. Non. Rien du tout. Bon. Tiens. Que se passe-t-il ? Et voilà, à cause de Lina, on est obligé de se taper un combat de boss contre Briggs et Mergor. Dans mes vieux souvenirs, c'était le boss où j'avais le plus de difficultés. Je ne sais plus pourquoi, peut-être parce que j'étais stuffé comme une bite. Je crois que c'est ça. Je sais plus du tout d'ailleurs qu'est-ce qui lui fait mal. Je sais qu'il faut taper Briggs en premier. Car c'est lui qui fait le plus de dégâts. Mergor, par contre, je crois qu'il peut se dédoubler. Voilà, siffler. Trois. Que se passe-t-il? D'accord, pour une raison que j'ignore. Ça a ramé pas pourtant pour les premières fois. Ok, donc ils sont sensibles aux affinités feu et air. En fait, ils sont sensibles à tout. Je suis désolé pour le ralentissement qu'il y a eu, c'était dégueulasse. Je suis vraiment navré. Bon, ils m'ont pas attaqué pour le moment, donc ça va. Je vais quand même utiliser Mercure 31. Ah ouais, je crois que j'ai oublié de dormir dans une auberge. Bon, Pavel est dupé, évidemment. Voilà, un Mergor de vaincu, deuxième Mergor de vaincu. Ça se débrouille mieux que la dernière fois que j'ai combattu, c'est-à-dire il y a très longtemps. Voilà, Lina est full stuff. Bon, Mergor 3 pareil, rien à faire. Je mets tout sur Briggs. Booster ma défense d'ailleurs, pour éviter de me faire piétiner. Voilà, Mergor 4.
Je crois qu'il peut en invoquer que... Je crois qu'il peut y avoir que 4 Mergor. Voilà. Et comme je peux voir à nouveau, ça va chier Ramsès, Mars et Atlanta comme d'hab. Sauf que Atlanta, pour éviter que ça rebug, je vais passer ça très très vite. Voilà. Je perds beaucoup de vie, dis donc. Et ensuite, on fait la même technique. Un séisme. Un faisceau. Et puis, Mercure. Évidemment, si j'utilise de l'air sur un Mergor, ça ne le fera pas. Voilà. Un Mergor de vaincu. Bon, un combat qui se déroule assez rapidement, je trouve. Canon, soupir, ce sera Pavel peut soigner, donc je prends le risque. Sur Scylla. Good duel, oula. Bon, j'ai vaincu le plus dur. Maintenant, faut que je fasse soin pour éviter que Scylla meure. Tranchant, tiens, ah oui, c'est vrai. Ouais, bon, je prends le risque. T'es avec Mars et Scylla avec Blitz. Oh bah cool, battu. Un combat assez rapide, je trouve. 1450 d'or et 700 et quelques d'XP. Je me débrouille et c'est bien. Bien. Ça, c'est fait. Discussion. Le jeu rame, pourquoi tu fais ça, jeu? Bon, alors je vais essayer quelque chose. Je suis désolé que ça rame, mais c'est vrai. Voilà, et là, bizarrement, ça vient de remarcher.
Je ne m'explique pas ce problème. Ça fait deux fois que ça me refait ce problème. Voilà, donc nous avons battu Pierce et Riggs, nous l'avons mené à la justice. Il y a un truc là qui est absolument mal caché. Voilà. Oh, du pain. Comment est-ce que je peux être déplacé? Ah non, attendez. Comment on fait? Je réfléchis à une technique pour faire tomber ça. Ça veut pas. Mais c'est genre, ça veut vraiment pas. Non, ça marche pas. Faudrait que je récupère. Enfin, que j'ai une synergie. Quoi ça s'appelle déjà?
La perle de l'Arsin. L'objet perle de l'Arsin qu'il y avait sur Vlad. Bon. Eh ben, ça aura été un petit épisode tout à fait tranquille. Voilà. Je vais juste m'arrêter lorsque... je vais mettre ça sur... voilà, raccourci. Hop. Je vais arrêter dès que j'aurai, essayé d'avoir fait le maximum pour ce bateau. Voilà, plouf. Donc ça, je pense que je peux le pousser maintenant. Voilà, et en plus j'ai créé un chemin. Je peux descendre? Oui. Ah, il faudrait que je pousse la caisse là-bas. Encore une fois, vraiment désolé pour les petits problèmes de ralentissement. Je ne m'explique pas pourquoi c'est arrivé. Je ne sais vraiment pas pourquoi c'est arrivé d'ailleurs. Hop là, déplacer ça ici. La caisse me fera une plateforme. Je peux marcher sur les cordes? Oui. Ah bah tiens, là-haut, on peut utiliser relier. Ça, c'est très très bon à savoir. Qui sait, il y a peut-être un objet à prendre. Non. Et ça, je peux l'enfoncer. Voilà. Impeccable. Tu peux aller ici et déplacer ce... je peux déplacer ça, je sais pas quoi ça va servir. Ouais. Non. Il n'y a rien. Je pense que je me suis trompé quelque part. C'est utile, mais je ne sais pas où ni comment. Là, je peux pas monter sur la voile, ça aurait été trop simple sinon. Là, je peux monter à la corde. De toute façon, je sens que je suis obligé de revenir ici parce que ce caillou me semble destructible. Ça fait déjà 3 ou 4 fois là que ça me le fait le ralentissement, donc je vais m'arrêter là, j'en prendrai sur le prochain épisode le temps de redémarrer l'émulateur. Merci d'avoir suivi, n'oubliez pas comme d'habitude de laisser un petit like, de commenter, de vous abonner à la chaîne, de me suivre sur Twitter en @Rayus1. Désolé pour les ralentissements, bon jeu et à la prochaine.